Bienvenue dans cette série de vidéos consacrées à l'apprentissage de l'épée du Tai Chi Chuan. Alors aujourd'hui je continue à vous montrer un mouvement suivant de cette forme. Donc si vous venez de découvrir cette vidéo, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et comme ça vous pouvez aller aussi sur le compte et voir les mouvements précédents et comme ça vous pouvez apprendre cette forme depuis chez vous. Alors je vais replacer dans le contexte. On avait vu secouer la poussière du chemin dans le vent à gauche et à droite. On avait vu également pousser le bateau dans le courant. Et aujourd'hui, je vais vous montrer l'étoile filante poursuit la lune, comme ceci. Donc, pour replacer dans le contexte, je rappelle, secouer la poussière du chemin dans le vent à gauche et à droite. On fait un large cercle et on fait pousser le bateau dans le courant. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on est dans cette position-ci, tout le poids est sur la jambe gauche. On a l'épée qui pique bien loin devant. On va ramener l'épée à l'horizontale devant soi et ramener en même temps le pied 45 degrés comme ceci. Ensuite, on va pivoter pour aller dans l'axe ici 45 degrés par rapport à la caméra. Poser le talon à une ligne de distance entre la pointe du pied et euh, le talon. Ligne entre les deux à partir du moment où j'aurai ramené mon, mon, ma pointe de pied en tournant sur le talon. Et donc ici je vais couper par ici. Donc on, on a un mouvement de descendant et en fin de mouvement progressivement ramener la pointe du pied en tournant sur le talon pour que maintenant j'ai effectivement cette ligne comme ceci entre le talon et la pointe du pied et j'ai coupé ici. D'accord Donc je remonte dans l'ensemble, secouer la poussière du chemin dans le vent à gauche et à droite. Ensuite pousser le bateau dans le courant, ça on avait vu précédemment. Ici, je ramène l'épée à l'horizontale en ramenant mon pied gauche 45 degrés. Donc il est à 45 degrés si je regarde dans l'axe comme ceci. Il est à 45 degrés rentré. L'épée est à l'horizontale. Je vais placer mon talon loin devant ici, venir couper 45 degrés par rapport à cet axe comme ceci. Donc je suis à 45 par là-bas. Et ramener mon pied gauche fin de mouvement en tournant sur le talon pour l'avoir ouvert 45 degrés à l'arrière. À partir, de mon champ, à partir du moment où mon champ d'action est par là-bas. J'ai mon pied ouvert 45 degrés, et j'ai coupé comme ceci, hop, Donc dans un mouvement descendant, voilà, encore une fois. Donc depuis, secouer la poussière dans, du chemin dans le vent à gauche et à droite, pousser le bateau dans le courant, ramener le pied, l'épée à l'horizontale, poser le talon loin, couper, ramener le pied gauche en fin de mouvement, les deux doigts comme ceci tirent vers le sol et on fait finalement un mouvement comme ceci, coupé, et on accompagne avec le mouvement des doigts. Voilà, j'espère que la vidéo était suffisamment claire, qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, vous pouvez également la partager. Vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et comme ça vous voyez les mouvements arriver à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et portez-vous bien.